قد من ده أسلح ضربة أكتوبر 2015 يمضبر أن اللوزين نوفو نورديسك الودايسين ندواوين نغيدي سوفون دواوين إيموضان نسكر أصنفر أسوسا عن اللوزين أجيان سهونيتي إدحضرن سيني موران إماتوتن نغري سكرتار جينيرو التغليفين تزمرت أدوين الصنعة أرثمان وسلوي بقرة وغرفة أن الولاية انتزي وزو مس حسين هارون ذي الولي انتزي وزو مس مراد إبراهيم من بعد فيرزان أريم إخواني مخلف ذي اللوزيناقي ثلاد يوز تمليليت ذي نغمس إذ يرزان سواطاس أنداد يلا ووالا غفوس نفر وسوسع نلوزيناقي نحضر الدخلات تكونافين تيرزايا كيني يدير لنا أغار اللوزينا كيني نورديسك أكند نحضر ذي غني يوز تمليليت ذي نغمس أندان يتقدمن أصن فراقيني أجديد ووسع تمديت نلوزينا كيني ذينا دنوالي تكويت ذي طورات تاكي إبن داكن اللوزين نلودايسين غيرنا دوس قواس موديل رانو عكير كانت دينا يوني مطبر تكباني نوفو نورديسك اد سالين ان غات سي وضد السفوغ دواوين الما ذو مليار الكشيف نغل لي كومبريمي الوقت يدي دو السفوغ توران الا 600000 كان دوس قواس ازال 10 مليان لي زورو رئيس وصرف دوك صنفراقي نستقصد يون قم ضبر نوفو نورديسك أسيد نسل أن داغي ديران أول غفا ميشي يسيلي أخدم ريز دارين Un bon bout de temps que vous travaillez avec des Algériens, vous visitez vos usines ici. Comment trouvez-vous le climat de travail en Algérie? Je trouve qu'il y a certains défis, mais il y a tellement de ressources à utiliser et une fois qu'on a trouvé la bonne façon de travailler, et surtout comme j'ai travaillé beaucoup en Kabylie avec des collègues ici, on a trouvé la bonne façon et on a eu la chance de mener des projets à bien. Et maintenant, on va continuer. L'entreprise, avec vos investissements, est-ce que l'entreprise, elle s'en sort en Algérie, ça va L'Algérie est très très important pour nos disques, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de moyens. Il y a certainement des défis, mais il y a aussi des récompenses, parce que le marché algérien des produits pharmaceutiques, surtout des produits antidiabétiques, est très très important. Et c'est pour ça que pour l'Algérie et pour Novo Nordisk aussi, c'est un cas de gagnant-gagnant et on va continuer certainement parce qu'on a déjà investi pas mal ici, de ressources et de l'argent et on a de bonnes connaissances, c'est pour ça qu'on va continuer. Je m'appelle Knut Dogar et je suis basé à Copenhague. J'ai travaillé sur des projets Novo Nordisk algériens depuis 10 ans, 15 ans. Donc, vous supervisez le... Je supervise, je participe, je travaille avec des collègues ici pour des projets, pour l'usine existante, aussi pour les projets dans le futur. Je vous remercie. Merci, monsieur. توران أونيد سعدين أولي دبوين الولي انتزي وزوم ذي مضبر إهدران سيسم تكبانيت نوفو نارديسك إثمليلي تنسن ذي مضبر النيران ذي نغمسن إديارزن سواطاس غالو مكانجي أثني دنسل de prévoir également un projet de production de ce qu'on appelle le flexpen, l'insuline pour les diabétiques numéro 1, c'est ça, pour les diabétiques numéro 1. Donc l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose de très important, c'est donc une des filières sur laquelle compte le ministère de l'Industrie pour relancer l'activité industrielle d'une manière générale. Je pensais venir dans où il y a une unité, mais c'est déjà peu pour l'Algérie. Je trouve ici, en arrivant à Tizouzou, donc une unité, mais avec des perspectives hautement prometteuses.
C'est bien que de savoir qu'il y a une unité ici qui sera donc bien plus agrandie pour donc répondre au marché national. Et nous ne pouvons donc qu'applaudir à cette initiative et nous ne pouvons qu'aller dans le sens donc de voir de telles. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter, faire part de l'extension de notre usine de production de Tizi Ouzou, qui concerne essentiellement à ce jour les antidiabétiques oraux, donc les comprimés. Comme vous pouvez le savoir, le diabète est un fardeau croissant au niveau mondial. Et si l'on estime qu'aujourd'hui, il y a environ 400 millions de personnes qui ont un diabète de par le monde, malheureusement, avec les conditions de la civilisation, ce fardeau va passer à presque 600 millions d'ici les 20 années qui viennent. La volonté que nous avons ici, comme vous pouvez le voir, cette usine a été lancée en 2008. Et depuis les années 2006-2008, vous pouvez voir que le nombre d'employés a considérablement augmenté, puisqu'il est passé d'une trentaine d'employés à cette époque, et maintenant presque à 170 employés. Donc nous avons probablement 175 employés d'ici la fin de l'année, et l'extension que nous avons, que nous faisons, fera en sorte qu'une trentaine d'employés supplémentaires vont pouvoir être embauchés. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Wally, ces employés viennent tous, vous voyez ici la testée, de la région de Tizi Ouzou, en collaboration étroite avec l'université, la faculté de pharmacie de la délégation Tizi Ouzou. Et donc nous voulons continuer à développer ce partenariat. Et nous avons aujourd'hui, nous étendons aujourd'hui cette usine. C'est un investissement de plus de 10 millions d'euros qui va avoir le jour dès la fin de cette année, début de l'année prochaine, quand tous les permis seront délivrés. Donc nous allons continuer à développer pour la capacité de production pour avoir atteindre à peu près 1 milliard de comprimés qui pourront être fabriqués ici. L'extension, bien entendu, ne se fait pas uniquement pour la molécule de metformine, mais également pour une autre molécule qui est un autre antidiabétique oral important dans la pharmacopée, qui est le répagénique. Et donc, à partir de 2016, nous aurons l'intégralité de ces deux molécules qui seront disponibles sur le marché algérien. Et j'en profite également pour confirmer que, en partenariat avec le groupe Sindal, nous allons mettre à disposition dès l'année 2016 les insulines conventionnelles faites de Renorbis qui seront fabriquées localement par groupe Sindal à l'université de sur le site de Constantine. Donc, je pense que la politique de nos journalistes, c'est vraiment une politique intégrée de ce qu'on appelle un peu plus vulgairement maintenant de localisation, donc d'avoir une approche globale mais localisée, donc maintenant en Algérie. Et l'Algérie est l'un des pays stratégiques pour de renard risque de par le monde. Et c'est au niveau de la région Afrique, c'est le pays le plus stratégique. Et même au niveau de Novo Nordisk, il est dans les 10 pays les plus stratégiques pour la société. Montrer l'importance de l'Algérie pour notre société. Et donc, l'objectif est de continuer à développer les relations, notre investissement industriel, notre investissement en responsabilité sociale, de façon à pouvoir en Algérie mettre à disposition le plus rapidement possible les médicaments innovants fabriqués localement. Je vous remercie. بالقاسم محمد سعيد سقف تيزي وزو.